À mon actif, j'ai 25 combats pour 19 victoires. Je suis en classe A. Et cette année, je me consacre uniquement à la boxe pour passer en fin d'année en pro. Je pratique le full contact depuis l'âge de 9 ans. Voilà, j'ai été plusieurs fois champion de France en light contact. J'ai été sélectionné en équipe de France pour participer au championnat du monde à Bratislava. Voilà, j'ai terminé 8e de finale. J'ai perdu contre le champion en titre. Voilà, c'était un très très beau combat, une très belle expérience. Voilà, je suis quelqu'un de passionné qui adore la boxe. Au niveau de l'entraînement, du sérieux, de la volonté aussi. JB. Chayanne. Non, je préfère la boxe parce que quand j'étais petit, on n'arrêtait pas de me frapper dessus, alors je suis inscrit à la boxe. Et le foot, c'est pour les racailles. Moi, ce qui me plaît dans la boxe, moi, c'est les rounds. Moi, ce qui me plaît, c'est quand on fait des compétitions. Et j'aime bien, quand je serai plus grand, je mettrai des KO, gagner des coups. Non, il ne faut pas être un grand sportif pour faire de la boxe, il faut être assidu. C'est-à-dire qu'il faut avoir envie d'apprendre à boxer, d'apprendre la technique d'abord. Et une fois qu'on a acquis la technique, il suffit d'aller courir, faire du footing un petit peu, aimer entretenir son corps. On a beaucoup de gens qui viennent en loisir. On a sur 70 élèves, on en a environ 50, c'est du loisir. Donc pas de la compétition. Ça, c'est la première qualité. Être assidu en entraînement et faire ce qu'on lui demande. Donc être sérieux. Travailleur, parce que pour boxer, il faut s'entraîner dur. Donc à la salle et à l'extérieur de la salle. Puisque la salle, c'est bien, ça ne fait pas tout. Mais il faut la condition physique à travailler à l'extérieur. Donc si le boxeur ne va pas courir, s'il ne fait pas le fractionner, s'il ne fait pas le travail de renforcement musculaire, ça ne fonctionne pas. On a deux sections, une section enfant, de 6 ans jusqu'à 13 ans, qui est le lundi et le jeudi de 17h30 à 18h30. Et après, on a les grands, donc c'est les plus de 13 ans, avec les ados, les adultes mélangés, le lundi, le mercredi et le jeudi de 18h30 à 20h. Qu'on ne va pas vous manger, qu'on n'est pas des ogres. Et contrairement à ce qu'on pense, ça se passe très bien.